Eh bien, salut tout le monde, c'est Claude et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mon EKFIP 67. Donc oui, 67 parce que je l'ai un peu 67 par 61. Je veux dire pour 67. Donc c'est pour le God Run. Donc on va passer en mode pas non plus de base. Donc déjà on met une panoplie du V comme on peut voir. Je vais vous la présenter. Alors chapeau du V, 132 vita, 7 sasa, 25 puissance, super bon G. God Rod, magnifique le G. 180 vita, je vais juste voir si c'est... Non. 180 vita, moins 40 agis, donc c'est ce qui est un peu pourri. 25 sasa, 1 cc et 1 pa, magnifique. Genope APM, la capot du V, 143 vita, 1 po, 1 do neutre, 1 do terre, 4 do haut. 100 résil feu, raison de prenez émeraude level 100, 200 vita, 1 PM, 1 PO, les bottes au UV, donc ça et la ceinture, donc c'est Sitam09 qui me les avait fait, donc merci à toi, c'est toi. N'hésite pas à voir sa chaîne, il fait pas mal de vidéos intéressantes, donc j'aime bien ces vidéos. Bref, donc bottes au UV, 80 vitalité, 14 force, voilà des caractéristiques à côté, des résistances LP. Ceinture au UV, 106 vita, 17 puissance, 1 invoque, 1 pp, 2 fuites et 3% résist au bleu panneau griotte, 100 vita, 20 intel et 1 po. Donc pourquoi j'ai pris celui-là et pas l'indico, parce que déjà celui-là c'est ce qui me permet de taper le de loin, donc ce qui est bien, mais il n'y en avait pas des indicos, donc FMA 100 vitalité minimum. Ah, mais bon, sinon j'aurais pu, dommage qu'il n'y ait pas l'invocation. Ce serait intéressant. Donc après j'ai le bouclier, donc ça dépend, que je peux changer selon la classe et selon l'élément. L'idée de la chance, 120 vita, 24 force, 24 chance et 1 PA. Donc j'aurais pu en prendre une, 160 vita, 25 chance, mais je l'ai pas pris parce que j'ai pensé à la force, parce que c'est super intéressant de taper aussi esprit félin. Sinon, j'ai Antofus, j'ai une autre couche de scout, et sinon j'ai les trophées. Donc, déjà j'ai l'examinateur que je remplace jamais par d'autres trophées. Le robuste mineur non plus. Le féroce mineur, ça des fois. Donc, ça dépend. Et sinon, j'ai aussi le vagabond mineur. Mais sinon, donc, ça dépend. Exemple, pour Tessacrier, donc de 80, je mets ça comme. Donc voilà, ça fait 10-10 et puis 10-12, donc c'est pas mal pour sacrifier terre-feu. La mission dans le principal, c'est celui-là. Donc avec un joli petit bouclier. Sinon, le caractéristique, vous avez pu voir, je pense sûrement, je suis pare-choc en plusieurs éléments. Donc en 101 en tout sauf vitesse, c'est ça. Donc ça, j'ai pas encore fini. J'attends d'avoir encore plus de gamins parce que sinon j'ai pas envie de tout claquer dedans et plus avoir de gamins. Donc je sens un force super intéressant pour l'esprit félin, intelligence 101 aussi, chance 101 et sans agilité. Donc pour vous dire, j'avais d'abord commencé par intel et chance et donc j'ai terminé par force et agilité. Et je vais encore compléter ça pour l'esquive PAPM. Donc j'en ai pas mal d'esquive PAPM, je vais 20 esquive PAPM. 19 de fuite, avec le mode fuite bien évidemment. 82 puissance, c'est quand même pas mal. 16 d'eau, all sauf feu et air aussi, 15 et 17. Et puis résistance, bah, des petites résistances à côté des items. De la panoplie. Sinon c'est tout je pense. Ouais, sinon j'ai 5 de PO, donc ça c'est super intéressant contre les crabes ou contre les autres classes. Des gens qui fuient quoi, comme moi exemple, parce que moi je joue souvent ta bête, donc je le dis hein, j'avoue, mais bon, je suis comme ça. J'ai pas mal d'initiatives, GPS 5PM, donc pour GPS 5PM, ce qui me permet de faire deux dockages, une fédération, 1800 vita pour dire ça comme ça, deux invox c'est pas mal, j'aurais pu la 3, mais donc c'est dommage. J'ai quand même pas mal de caractéristiques à côté du partage, donc 200 de sagesse, 154 force, 149 intel, 153 chance et 90 agile. Malheureusement, à cause du God Rod qui m'enlève pas mal d'agilité. Sinon, je joue avec un bonbon, avec un Shinigex
chocolat. Et puis voilà, donc on va passer au putsch. Celui-là, oui, celui-là. Bon, ça c'est bizarre, hein, les gens sont choqués, comme vous voyez, que c'est pas non plus. Mais bon, elle est quand même bien, bien effet. Je vais vous montrer les dégâts sans. Sans. Enfin, no boost. Voilà, on est autour de 100, 130. Et c'est aussi. Cage 90 à 100, c'est pas mal. On grimpe 70, on va dire ça comme ça. Ça, on va dire 100, même pas. Je pourrais taper parce que après il aura plus vite ça. Donc 150 avec ça. Je vais mettre le coup parce que c'est. Je suis choqué de ce rock là. On va se booster. Hop. Là, je vais vous montrer les gros coups. C'est ce cas où il n'y a pas de 40 dommages ou quoi. Donc voilà, en dopo c'est à peu près 300. On a 250 là. Ouais, ça passe à 300. Dopage 160 de très loin, un JPO, donc c'est pas mal. Bluff à 200 le haut. Et le R aussi il monte. Sinon, esprit fin c'est énorme. Je pense qu'à 300. Et un CC ça peut monter à 300, enfin presque. Réflexe, ça peut aller à 150, 200. Puis voilà, donc sinon, ce que je peux faire, c'est en super, donc je vais peut-être être en super. Je pourrais faire genre début de tour comme ça, une petite libé, aller en diagonale, faire une félation et mettre une carotte en diagonale pour les éca flip. Pourquoi en diagonale? Parce que si vous êtes ici et qu'il y a plus de PM et qu'il veut faire félation, vous mettez une carotte ici, vous faites félation avant. Vous avez toujours l'avantage parce que. On pourra pas vous mettre une version japonaise et puis s'il n'y a pas de PM, enfin si c'est au maximum de venir, ben, il pourrait limite toucher juste votre carotte et puis c'est tout. J'ai fini cher, bim. Hop, donc je vois s'il y a une petite agro. Ben, ici déjà, c'est à côté. Sinon, je veux dire, j'ai pas annulé. Il y a des gens qui se dire ça, donc le what I'm what I'm donc non. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai upgrade 4 au niveau 36. Ouais, j'ai upgrade 4 au niveau 36. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai up 67 et j'ai monté grade 5. Comme ça, vous faites du grade 5. Et donc voilà. Donc voilà, hop, 5080 pH, c'est quand même pas mal. Donc je pense pas que je vais émuler. Je trouve ça sert à rien. Il faut s'éclater et puis gagner des pH. Sinon, c'est pas du PVP. Ok. Bon. Je pense que c'est tout. On va juste voir. Enfin, je vais juste voir à Volta s'il y a des petits anges. Elle est ouverte. Sinon, si vous êtes sur serveur Ulette, n'hésitez pas à m'ajouter. Sinon, n'hésitez pas à me vendre vos exos de niveau 80, 82, non, 60 à 70 maximum. Enfin, même pas 70, donc genre les blobs. Ça peut passer ça. Souvent des anges ici. HD Vanimo. Là-bas. Donc, c'est pour mais les anges, il n'y en a plus. Depuis que. Ils ont changé la règle avec le PNJ, la banque Astro, il n'y a plus d'ange. Malheureusement, je suis dégoûté. Donc, il n'y a pas d'ange. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, je vais vous montrer mes sorts. Donc, déjà, pour commencer, si vous êtes un gars, je vous conseille de vos parchemins, d'acheter un parchemin. Si vous n'avez pas assez de thunes, enfin si au moins d'en acheter un. Pourquoi? Pour monter KO de niveau 2 contre les Eka Flip, c'est super important. Libé 5 obligatoire pour les Eka Flip. Bon, du Félin 5 obligatoire aussi. Bluff 4. J'aurais pu monter Félin si pas perception, mais j'ai pas fait. C'est mieux de monter ça. Chaton 5, Roulette 5, Top Cash 5, Roue de Fortune 5. Et c'est tout. Donc je compte me parcho et monter soit l'odorat. Soit la perception, je sais pas. Donc voilà, c'était Clo et n'hésitez pas à vous abonner et puis laisser un commentaire. Et like, vas-y.